Moi, je suis en sciences de la nature, donc le projet que j'ai choisi de faire ici, c'est un projet qui concerne la pêche aux arches. Fait que je trouve que dans mon parcours collégial, on peut faire comme un lien avec tout ce qui touche la biologie, puis c'est vraiment enrichissant d'en apprendre plus. Il y a vraiment des échanges super intéressants. Aussi, je suis en sciences de la nature et j'ai la chance de travailler sur le projet de la pêche aux coques. Donc, on va avoir un beau travail de recherche qui nous attend à notre arrivée aux îles. Pour la dernière session, on va travailler sur les informations qu'on a récoltées ici pendant des semaines. Et aussi faire la comparaison avec les méthodes de pêche d'ici et de chez nous. Oh, ils sont bonnes, ils sont fortes, puis ouais, ça fait mal dans le dos. Mais tu sais, il y a plein de techniques, c'est vraiment un échange. Nous autres chez nous, on pêche avec des siphons à toilettes. Fait qu'on a apporté un siphon à toilettes, puis on monte ça avec les mamans, puis c'est super le fun, ils chantent, c'est un beau partage. Mon projet en lien avec le cégep, c'est médecine traditionnelle vis-à-vis médecine moderne. Fait que jusqu'à présent, on a interrogé différentes personnes en lien avec la médecine plus présente ici. Fait qu'on apprend à découvrir les plantes, surtout les remèdes traditionnels qui sont faits à base de plantes, à base de végétaux, tout ça. À date, on a été comme faire du jardinage à Dion Noir. On a été à l'usine de transformation. On a rencontré des femmes qui nous ont expliqué plusieurs choses qui concernaient différents projets. Des fois, quand on a des petits moments libres, on se divertit soit en jouant aux cartes, en faisant de la lecture. On se trouve tout le temps quelque chose à faire. On apprend aussi, on suit comme nos cours à l'école. On a eu des rencontres avec Malik Diouf qui nous faisait quasiment un cours de biologie ici, puis on apprend vraiment toute la diversité qui est présente dans le delta du Saloum. On conseillerait certainement l'expérience du voyage au Sénégal. C'est une expérience unique, puis on est chanceux d'être ici. Fait que tous ceux qui ont l'opportunité de venir ou faire un voyage semblable à celui-ci, je leur dirais de tenter leur chance. Je dirais vraiment que c'est une très bonne expérience à faire, puis je referais l'expérience encore. Parce que je trouve que c'est vraiment quelque chose d'enrichissant qui peut nous aider autant pour se découvrir personnellement que professionnellement ou à l'école. Il y a aussi le fait que ça permet de nous connaître plus soi-même, comme tu as mentionné, mais aussi entre nous. On part des Îles-de-la-Madeleine, un groupe d'étudiants. Oui, tout le monde se connaît, mais de lier des amitiés plus fortes avec des gens qu'on n'aurait pas nécessairement eu tendance à aller vers eux et tout ça. Fait que là, on a un beau groupe qui se rapproche, on va sortir d'ici en étant plus soudés, tout le monde ensemble. Donc, ouais, je conseille à 100%, c'est peu importe la destination, là, c'est vraiment intéressant, les projets comme ça.